Et bien c'est parti, on commence notre tuto pour faire un magnifique journal. Alors je ne vais pas l'appeler junk parce que dans le junk vous pouvez voir beaucoup de choses. Des enveloppes pliées, repliées, tachées, vieillies, etc. Alors que moi c'est plus un cahier dans lequel je viens intégrer beaucoup d'images, de cartes, de pochettes. C'est un journal d'idées. Voilà, moi j'appelle ça un journal d'idées. Après, on peut y mettre des photos, hein, rien n'empêche de mettre une jolie photo. Mais c'est plus un journal d'idées pour moi. Et c'est un journal en dur, avec une vraie reliure. Je pars donc de la collection des bricoles de Louise de l'été dernier, puisque celui-là, c'est celui de cette année, où j'ai rajouté des pages Etsy de ma propre collection. Là, je pars du journal du kit qu'elle a vendu l'été dernier, avec ses papiers que j'adore, qui sont imprimés pour ce qui est du journal, sur du 80 grammes, et dans lequel elle est venue rajouter beaucoup d'embellissements. Alors, je ne sais pas si je vais diffuser la vidéo où je faisais le unboxing des bricoles de Louise avec le unboxing de ce que j'avais reçu de Temu, mais voilà, vous avez une carte qui sent drôlement bon, une petite enveloppe dans laquelle il y a tout pour accrocher votre journal. Alors il y a des papillons en plus à découper, des coins, des breloques à attacher avec des petites épingles à nourrice, par exemple comme celle-ci, un très joli petit médaillon en paperclip. Moi je vais pense plutôt, je vais peut-être le garder en paperclip, mais je vais rajouter un petit nœud, voilà, une petite chose comme ça. Je vais rajouter du glossy probablement dessus. Donc vous avez toutes les pages en dehors de ça. Ça, c'est à moi. Toutes les pages, on va les voir une par une. Et puis, il y a des pages à découper d'embellissement. Alors ça, c'est la page qui fait 200 grammes qui sert à faire la couverture. Je pense que je ne m'en servirai peut-être pas parce qu'il y a trop de jaune pour moi. Et puis, vous avez des pages de cartes comme celle-ci. Enfin bon, vous pouvez aller voir sur le site Bricole de Louise, elle le présente. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce kit, en dehors de ces cartes qui sont sublimes et de ces tags, que ce soit des grands tags ou des petits tags, il y a beaucoup de pochettes, il y a des étiquettes très intéressantes à travailler et il y a des sentiments, chose qu'il n'y avait pas dans la collection que j'avais pris précédemment. Bon, elle met souvent ce genre des factures. Alors c'est vrai que moi je m'en sers moins parce que ça fait un peu plus... bon, je vois pas ce que... Voilà, une facture, c'est joli hein, dans un journal, mais bon, moi personnellement ça ne m'intéresse pas trop. Et puis vous avez deux papiers sur lesquels elle est venue dessiner les gabarits pour faire des enveloppes. Ceci étant dit, pour le moment, on ne s'occupe pas des embellissements, même si j'ai qu'une envie, c'est de les travailler. Moi, je suis venue déjà composer. La première chose que je fais, c'est composer les pages de mon journal. Donc, de ce qu'on appelle le signet, ou signature en anglais. Donc, elle propose 6 pages décorées comme ceci. À l'avant et à l'arrière, c'est du tacheté papier café, sur du papier 80 grammes. Donc il y a celle-ci. Elle propose 10 pages de papier café, comme celle-là. Voilà la deuxième de la collection. Vous voyez que moi, je suis déjà venue rajouter beaucoup d'autres papiers. La troisième. Donc on a du jaune pâle dans ce cahier auquel je n'avais pas pensé. Ça, c'est à moi. Celui-ci. Celui-là et le dernier, celui-ci. La première chose que je fais, donc il y a en tout 16 pages dans ce signet qu'elle propose. Dans celui que j'ai fait avec la dernière collection, à l'intérieur, le signet, c'est donc le cahier, c'est ça, il y avait 20 pages. Là, j'en ai 16 et je suis venue donc rajouter des pages que j'avais trouvées sur Etsy, sauf que j'avais un petit peu anticipé la réception du colis et j'étais, je ne sais pas, dans mon idée, j'étais partie vraiment dans les bleus ciel. J'ai l'impression que c'était très bleu ciel. En l'occurrence, il y a quand même du jaune et du vert, mais vous allez voir que ça ne choque pas.
Donc en fait, je vais composer mon journal en mettant après chaque page qui est un peu papier design, on va dire, avec des motifs, je vais insérer un papier café. Alors soit de sa collection qu'elle fournit, moi en l'occurrence, j'en avais déjà travaillé de mon côté, j'avais déjà fait du papier café et vous voyez que j'étais déjà venue mettre des taches et faire des pochoirs. On va en refaire ensemble, vous inquiétez pas, parce que j'en ai eu d'autres. Donc j'intercale entre chaque papier de bricole de Louise, un papier café, un papier coloré, ça c'est un papier de chez Etsy, ce n'est pas des bricoles de Louise. Là vous avez un papier café, logique, j'avais un papier coloré avant de Louise. Ça, c'est encore un papier à moi, qui est déjà découpé aux dimensions que je veux. Idem, ça, c'est un papier café que j'ai fait, sur lequel je suis venue faire des tamponnages à l'avant et à l'arrière. Papier bricole de Louise. Un papier Etsy, uni, bleu. Un peu genre papier peint, bleu que j'aime beaucoup. Alors qu'il y a beaucoup de marques dans le bas, vous le voyez, parce que mon imprimante a fait walou. Et voilà, m'a lâché hier mon imprimante professionnelle. J'ai plus d'imprimante professionnelle. Alors j'en ai une qui me neuve qui m'attend au bureau, mais bon, faut juste que je fasse l'aller-retour à Paris, donc je vais pas l'avoir tout de suite. Un papier au café que j'ai tamponné à l'endroit et à l'envers. Alors je suis venue parfois faire du tamponnage marron, parfois faire du tamponnage café, sur d'autres des tamponnages noirs. J'ai un peu mixé. Ça, c'est les bricoles de Louise. Ça, c'est un papier à moi de chez Etsy. Ça, c'est un papier café des bricoles de Louise. Ça, c'est un papier Etsy. Bricoles de Louise. Bricoles de Louise. Papier Etsy à moi. Tout simple. Une espèce de bleu délavé que j'aime énormément. Sur lequel je suis venue faire... à l'arrière, je suis venue remettre un autre papier. Et j'ai fait des tâches à la fois à la distress et à la fois avec du tamponnage. Ça, c'est un papier café à moi que j'ai bleu, où je suis venue faire des traces de bleu et du tamponnage. L'arrière, vous voyez qu'il est aussi tamponné. Bricole de Louise, papier bleu, tamponné. Papier à moi, tamponné. À l'avant, à l'arrière, du bleu. Papier à moi, tamponné, papier café, du bleu. Bricole de Louise. Et je termine par le dernier de bricole de Louise. Avant de faire quoi que ce soit, alors c'est vrai que moi j'ai déjà préparé, vous avez vu, il y a déjà des papiers que j'ai travaillés. Je vais couper chacun des papiers à la dimension requise pour mon journal. Alors, je vais faire exactement la même chose que celui-là. Je vais donc découper 25,8 sur 19,8. Vous allez voir que ça va faire la dimension de celui-là. Alors, là en l'occurrence, j'ai un papier qui est très court. Parce que je vois que si je veux faire, je me rends compte, en même temps que je vous parle, que j'ai découpé mes papiers en 25,8 par 19,8, et que là, ce que m'a proposé les bricoles de Louise, c'est beaucoup plus long. Je le vois sur les papiers. Si j'enlève les blancs de chaque côté, je vais être beaucoup, beaucoup plus... un journal beaucoup plus long que ce que je n'ai préparé, ce qui ne m'arrange pas du tout, parce que j'avais déjà commencé à tout travailler. Parce que là, en longueur, il fait voilà, un journal plus gros. Ouais. Il fait 28,7 sur mon... Je vais pousser ça parce que ça me gêne. Poser mon truc à plat. Je suis à 28,7. Ah, ça aurait été bien que je change ma lame. Ça m'aurait évité de bousiller le papier. Ça, c'est pas génial ce que j'ai fait. J'aurais dû changer ma lame. Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il est bien déchiré? Ben, je vais le laisser comme ça pour le moment. Alors... comme c'est du papier qui est après trempé dans du café, au niveau de votre lame, ça passe moins bien, je pense. Et il est beaucoup plus grand, vous voyez, par rapport au papier que moi j'ai préparé.
Donc je risque d'avoir un cahier qui va avoir des tailles différentes à l'intérieur. Perso, ça ne me dérange pas qu'il y ait des plus grandes pages. On va continuer comme ça pour le moment. Donc mes pages les plus courtes qui font 25,8 par 19,8, je vais les laisser telles quelles. Et ça, bah, je vais mesurer ce que j'ai en hauteur. J'ai dit que j'avais... je suis sur 20,3. Et je vous ai dit 28. Ouais. 28,6. Donc, du coup, le papier café, il faut que je le coupe à la même maxi taille. 28,6. Sur... j'ai dit 20,3. Je vais voir si, en ayant des papiers de taille différente à l'intérieur... Alors ça, ça va être la fin du journal, ce qui est abîmé, parce que c'est la dernière page. J'avoue que ça me contrarie un peu, je ne vous le cache pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais photocopier tout de suite ce papier pour que je n'ai pas ce problème de déchirure. Je reviens. Bon, j'ai photocopié le papier sur du papier café. En l'occurrence, vous voyez la différence. Il y en a un qui est beaucoup plus blanc que l'autre et beaucoup plus net. Mais bon, je vais simplement intervertir. Je vais en prendre un. Je vais intervertir avec le dernier, que je trouve très joli. Voilà. Je suis venu intervertir les deux premiers. Et donc, je vais découper tous les papiers. Donc, j'ai dit 28,6. Ça dépend comment c'est imprimé. C'est pas évident. 28. Faut que je m'arrange pour ne pas avoir de blanc en fait. Hein. Et pas déchirer mon papier. Donc pour le moment, j'enlève toutes les bordures blanches. Ça, ça va être la base, ça va être ma première page de cahier. Ça, c'est découpé plus petit. Ça, je vérifie que ça correspond à la page du dessus. C'est bon, ça c'est plus petit. C'est plus petit, ça c'est plus petit. J'arrive à celui-là. Pareil, je coupe les bords blancs. Bon, vous l'aurez compris, sur tous les papiers de la collection des bricoles de Louise, j'enlève pour le moment juste les bords blancs. Et puis, pour les papiers que j'ai intercalés qui sont plus petits, parce que moi je me suis basée sur la taille de l'autre collection, il y aura des papiers intercalaires qui seront plus petits. Je fais ça pour tous les papiers de la collection des bricoles de Louise et je reviens vers vous. Voilà, tous mes papiers bricoles de Louise sont coupés donc sur 28,6 je crois, et ça sur 20,3. Et à l'intérieur, j'ai des papiers qui sont plus courts. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais plier en deux chacun de mes papiers. Et pour plier, je ne vais pas faire un pli avec mon massicot. Je vais vraiment plier à la main pour être sûr que ça soit parfaitement droit. Je ne change pas l'ordre de mes papiers. Donc à chaque fois que j'en ai plié un, je l'ouvre. Je commence par le premier. Celui-ci, c'est un papier qui est plus court, donc j'ai le choix soit de le plier en deux et qu'il soit
la même taille de chaque côté. Soit je peux décider de faire un côté plus court et un côté plus long. Bon, pour le moment, je vais le plier en deux. Et je le remets bien à sa place. Donc, bien évidemment, vous voyez que non seulement il est beaucoup plus court que le précédent. Celui-là va être aussi long. Alors, comme j'ai coupé, il va falloir après qu'on aille ancrer tous nos papiers, puisque là, j'ai un côté ancré, là, je viens de le couper, j'ai un côté blanc. Non, j'aime pas qu'il y ait deux cafés l'un contre l'autre. Donc, je vais mettre d'abord le bleu, qui, je ne vous le cache pas, celui-là est un de mes préférés. Donc, voilà. Ensuite, ici, celui-là est plié, je veux dire. Hop. Alors, dans quel sens? Dans celui-là. Dans l'état d'endroit. Pour le moment, je vais surtout m'assurer de l'harmonie entre les couleurs et les dessins. Par exemple, ici, quand je vais ouvrir mon cahier, j'aurai un papillon qui est fait au pochoir avec des papillons dessinés. Exemple de ce que je recherche. Bien évidemment, si pour le moment j'ai travaillé mes papiers Etsy et si je les ai tamponnés à l'intérieur, comme ici, les taches par exemple, je ne l'ai pas fait sur les bricoles de Louise puisque je l'ai reçu que ce matin. Il va falloir que j'aille refaire des tamponnages là où je n'en ai pas fait sur les papiers de Louise. Mais c'est pas grave parce que j'ai reçu des nouveaux pochoirs. Non, je vais pas vous mettre la vidéo de l'unboxing que j'ai eu ce matin. Franchement, ça n'a pas grand intérêt. J'ai en tout 25 pages. Sur celui que j'avais fait précédemment, avec les vacances au bord de mer, j'en avais mis 20. Là, j'en rajoute 5 de plus. Parce que c'est vraiment des papiers que j'aime beaucoup. Et ça m'a un petit peu éclaté de le faire. Vous voyez là, tous les tamponnages. Même si c'est plus court, du coup, c'est pas gênant. Il suffira de venir rajouter sur les côtés plus courts, peut-être, du washi, du tamponnage, hein, peu importe, n'importe quoi, de façon que ça... Vous voyez ça, je vais pas le laisser comme ça, c'est trop blanc, je vais forcément faire du pochoir dessus. On va se débrouiller avec ça. Bien sûr, vous, de votre côté, vous pouvez très bien prendre toutes les pages de la même dimension. Aucun problème. Moi, ça va changer un petit peu de ce que j'ai fait. J'y suis presque. Courage. Ça vous donne l'ordre un petit peu dans lequel je mets le papier. Comment j'intercale des papiers café, des papiers... Vous voyez que l'intérieur de mes papiers colorés souvent sont lignés. J'aime bien. Voilà, les deux derniers. Ça, c'est fait. Et donc celui-là, ah, pourquoi il y a eu du noir là? Intéressant ça.
Bah tant pis, je vais mettre un comme ça. Je vais mettre l'original. Là, je sais pas pourquoi j'ai dû mettre un coup de crayon noir dessus. Je sais pas où est-ce qu'il y a du noir. Bon, donc je vais mettre l'original, même s'il est déchiré, je viendrai remettre quelque chose par-dessus. J'ai donc mon signet complet. Vous voyez qu'il y a toutes les tailles, ça dépasse beaucoup sur le côté. Même si je le mets bien à plat, ça fait exactement la même chose sur celui que j'ai fait. Vous voyez ici, ça dépasse aussi beaucoup. Donc ça ne me gêne pas. C'est le principe pour moi du junk. Il y a des pluches qui fait un peu papier abîmé. Bon, ça, je vais le garder par devers moi. Donc, je vais choisir quelle encre je veux voir autour de mon papier. Deux solutions. Soit on prend une encre type vieillie avec soit de la Grand Expresso, soit de la Gatorade Trench qui est un peu plus claire, soit on part carrément dans le bleu. Celui que j'avais fait précédemment, j'étais parti plutôt dans le Gatorade Trench. Je vais changer, je vais prendre le bleu. Alors moi je prends le Fada Gin. Je vais regarder là où pour moi il manque du pochoir. Alors j'arrive sur ma première page, j'ai pas mal de pochoirs ici avec des taches d'encre. Probablement ici je vais avoir une pochette, quelque chose, peut-être un petit tamponnage pochoir dans cet angle. Il faut juste que je les retrouve, bien évidemment. Je les avais mis de côté, ils sont là. J'en ai pris d'autres. J'ai des feuilles de lierre en bleu, bof. Mais peut-être juste une toute petite feuille. Juste un petit bout de feuille, vous voyez, qui dépasse. Parce que si là je mets une pochette, je veux bien avoir quelque chose un peu ici. Alors, je mets pas beaucoup d'encre. Le but n'est pas non plus de faire un gros truc. Et je vais tamponner à peine. Voilà, juste faire quelque chose d'ultra léger. Et ça me plaît. Je continue mes pages. Là, j'ai du tamponnage. Là, j'ai une écriture. Là, j'ai juste des taches. Là, je n'ai rien. Ça va mériter un tamponnage. Alors, au choix... Peut-être postcard. Donc ça, c'est les pochoirs que j'ai reçus ce matin. Alors, on va peut-être s'amuser à faire juste le postcard. Pareil, je veux quelque chose d'assez léger. Il ne s'agit pas de faire un vrai tampon... J'aime beaucoup. J'aime bien le postcard. Et puis, sur le côté, je vais peut-être mettre juste une espèce de je sais pas quoi d'ailleurs, le truc là. Si vous voyez ce que c'est. Voilà, faire un truc... Et là, il y aura probablement une pochette. Ici, il n'y a rien, mais là, il y a une fleur. Donc là, il faut que je trouve quelque chose d'assez léger. Parce que là, j'ai un papier peut-être un peu chargé. Peut-être quelques notes de musique. Why not? J'ai failli mettre un papier avec des notes de musique, mais je crois que je l'ai mis sur un embellissement. Alors, j'ai soit ça. Je peux poser comme ça. Soit faire carrément une portée. Ce que je fais. Je vais faire juste ça. Je remets quand même un tout petit peu d'encre.
voyez, je tamponne plus que je n'écrase mon... Je veux qu'on le devine. Voilà, c'est vraiment ultra léger. J'avoue que j'aime beaucoup l'effet. Là, c'est tamponné. Là, c'est tacheté, ça me suffit. Tamponné, là, j'arrive sur une feuille. Là, je n'ai rien. À côté, j'ai ceci. Qu'est-ce que je peux mettre? Un truc très géométrique. On va faire un douille bizarre. Soleil. Papillon, c'est trop gros. Faut pas hésiter. Alors, je pense que je vais remettre des taches là. Faire quelque chose. Ça va être la décoration qui va être très fournie. Enfin, le papier qui va être... Là, je vais juste faire des taches. Mon truc n'attachant plus au pad. J'y vais à la mano. Voilà. Juste quelques taches. En Gatorade Twitch. Ça me suffit. On continue. Là, c'est tacheté. Là, c'est... Il y a déjà quelque chose. Idem ici. Je continue. Là, il n'y a rien. Là, il y a une fleur comme ceci. Donc, je n'ai pas... Pensez qu'il va y avoir de la déco, donc il s'agit pas non plus de mettre du pochoir partout. Hein. Si je mets Paris, ça va faire très bizarre. Ça, c'est beaucoup trop gros. Et même si je me sers que de l'angle, des fois je me prends la tête pour savoir ce que je dois mettre. Une portée, je pense que je vais juste mettre un peu de bleu sur ma feuille. Je vais la bleuter. Et puis je verrai si je rajoute, une fois que j'aurai mis de la déco, si je rajoute quelque chose. Mais là, il y a beaucoup de couleurs, donc je ne voudrais pas que ça fasse de trop. Là, en revanche, ça nécessite ça. Nécessite quelque chose. Là, j'ai une fleur dans le haut. Je vais compenser avec un espèce de truc en bas. Une arabesque. Plus ou moins foncé. Voilà. Ça me va bien. Pas en mettre de trop. Hein. Là-dessus, il n'y a rien. Et là-dessus, il n'y a rien. Non. J'ai ces deux-là. Là, je vais mettre peut-être... Ah, c'est des papillons, quand même. C'est des papillons. Papillon plus papillon, trop de papillon, tout le papillon, vous êtes d'accord avec moi. Donc on va mettre des notes de musique. Petite portée. En haut. Et en bas. Très très léger. Là, je pense que je... vais mettre des taches. Parce que j'ai déjà un tamponnage ici. On va rajouter des taches. De façon totalement aléatoire. Là, il n'y a rien. Attention, il y a du vert, il y a du jaune. Si vous mettez... Là, je pense que je vais remettre du lierre. Mais cette fois, qui va monter. Ou qui va être juste le long, comme ça.
être très clair. Il y a une légère démarcation qui s'est faite, mais je mettrai quelque chose dessus. Là, c'est très très clair pour les deux. What can I... Ça fait beaucoup trop gros. Je vais regarder dans mes autres pochoirs. Peut-être faire des écritures sur l'un. Dans le bon sens. Ouais, je mets des écritures. Elles sont un peu aléatoires. Toujours aléatoires. On va voir ce que ça donne. On va très léger. Et du coup, sur le côté ici, je vais mettre les petites... Et virgule là. Ça me va bien. On continue. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Là il y en a assez. Là il n'y en a pas et c'est pareil que l'autre. Donc là il faut que je trouve quelque chose. Peut-être juste le dream. Le dream ici, j'aurais dû regarder, donc c'est pas très grave. Tout ça c'est bon, c'est du papier que j'avais. Vous voyez là par exemple, j'ai tamponné en noir. Dame ici. Alors là, je regarde ce que j'ai. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Je voulais retrouver mes roses. Est-ce qu'elles sont les roses? Elles sont là. Je mettrais bien juste une petite rose. Alors, il faudra du coup faire attention comment vous allez mettre la déco en fonction de votre pochoir. Mais c'est pas très gênant. Moi, j'ai bien envie de mettre une rose. Carrément. Quitte à mettre juste en haut un paperclip. Faire ressortir la rose. Encore une fois, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez, ce qui vous plaît. Moi, je trouve que de mettre du pochoir, ça rajoute de l'intérêt à ce journal. Voilà, j'aime bien. Ça, si je mets ici un paperclip, hein, mettons, peu importe, hein, n'importe lequel, hein, ça rajoute tout de suite quelque chose avec un petit sentiment, une étiquette en bas. Ça sera très joli. Là, j'ai du vert et du jaune, donc il faut que ça soit quelque chose de très, très, très léger en bleu. Peut-être quelques gouttes juste. Dans l'angle. Ouais, juste à peine. Peut-être dans le bas aussi. Voilà. Ah, alors ça, on est au milieu de page. En milieu de signet. Donc c'est là où j'ai mon papier abîmé. Là, je sais que je vais avoir un washi. Bah alors là. Vous voyez,
Je n'en sais rien parce que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre en milieu. Et en fonction, ça va changer un peu. Pas mettre un gros placard, parce que de toute façon, il va y avoir forcément quelque chose. Donc là, je vais mettre des gouttes. Donc je prends mon pad. Je vais mettre de l'eau sur l'encre. Alors, je fais très attention à ne pas en foutre partout. Pour gagner, je mets de l'eau. Je prends le pinceau à gouttes qui est là. Alors moi, c'est un Raphaël numéro 6. Je mélange mon eau et mon encre. Je viens juste mettre, bon, si vous voulez bien rester en place, des gouttes. Voilà. Si j'en ai encore besoin. J'attends que ça sèche. Normalement, ça prend tout de suite parce que c'est du papier déjà qui a déjà été intégré. J'ai un sopalin. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas d'eau. Hein. L'autre côté, ça a à peine marqué. J'arrive sur cette page. Il y en a encore beaucoup, hein. Ah, celui-là, je l'adore. Et je vais faire grimper cette fleur. Sauf que là, le pochoir est très, 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 très fin. Plus un pochoir, je pense qu'il est fait pour mettre de la pâte texturée que la pâte texturée que vraiment du de l'encre. Vous allez voir qu'on la voit à peine. Bon, on la voit déjà un peu plus que d'habitude, mais bon. Ici, des taches. Voilà, ça me suffit. Là, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon, là, c'est bon. Ok. Celui-ci, ça c'est une page ici qui est très, qui a rien de formidable. Donc je vais mettre la fleur de l'hibiscus avec le papillon. Voilà. Et peut-être un petit mot en haut. Ça change un peu. Celebrate. Yeah. On le voit vraiment à peine. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. J'arrive à celui-là. C'est pareil. Une feuille très pâle. Avec une feuille très pâle, il faut faire ressortir ce côté-là. Je cherche toujours. Mettre celui-là. Plus foncé ou plus clair. Et je vais rajouter des taches. Lâche-moi toi. Voilà.
Ça va légèrement traverser de l'autre côté, mais à peine. Ici, et là, il n'y a rien. Je commence à avoir être un peu en panne d'idées. J'aime bien les mots aussi au pochoir. J'en ai pas beaucoup. Parle celui de Stamperia. Peut-être mettre une petite rose en coin. Juste ça. Et ici, la mettre dans l'autre coin. Et plus importante. Là, il me faut du je sais pas quoi. Je ne sais plus. Je suis perdue. Ça ne me plaît pas, ça. Ça ne me plaît pas. Le postcard, je l'ai déjà mis. Ah, peut-être juste le texte avec le papillon. Très léger. Juste, on devine. Donc là, il y aura plutôt une déco dans le bas de la page. Par exemple. Alors là, il n'y a rien. Rien. Donc, il y a des tâches, ça c'est sûr. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Là, il y a une déco. Là, je commence à ne plus savoir ce que je dois mettre. Fleurs, non. Ce sera un peu bizarre. Pourquoi pochoir avec des formes de fleurs ou de flocons de Noël? Mais alors, après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Ah, j'ai ça qui serait pas mal. Comme une porte, ce serait pas mal ça. Une grille d'une porte. Pas mal, j'aime bien. Ça c'est fait, c'est fait. Donc, ça me manque encore. Hein. Bon. On met des tâches de peinture. Et on va légèrement ajouter du bleu. Bon, ça c'est bon. On en a encore une. Et j'en ai encore à faire. Une, deux, trois, quatre. J'essaye de ne pas utiliser les mêmes, mais c'est pas forcément évident. Missio, bof. Oh baby, sûrement pas. Peut-être juste celui-là alors. Très léger. Très léger. Tac, 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 tac. Là, c'est des fleurs. C'est des fleurs. Flowers, comme petit papillon, me paraît assez
convaincant. Et pourquoi pas avec un nœud en bas? Voilà. Tac, tac, tac. Je vais mettre cette fleur. Avec... Reste là, toi. Il détache. Tac. Et the last, but not the least. Et ben là, ça va être des tâches. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dessus. Voilà. Je range tout et je reviens. J'en ai partout. Voilà, donc on a finalisé notre signet avec nos 25 pages qui sont de taille, de couleurs, de motifs différents, de bref. Avant de les coudre, on va les coudre directement à la couverture. Donc ça nous oblige à faire la couverture et ensuite à venir intégrer, coudre le journal sur la couverture. Puis après, on ira s'amuser à mettre tous nos embellissements à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse la couverture qui va aller avec ça. La première chose que je vais faire de mon côté, hors caméra, je vais venir découper tous les embellissements. Parce que le papier de couverture, c'est celui-là. Celui qui est le plus épais. Et j'ai beau réfléchir de ce que je peux mettre à la place, vu que l'intérieur est très clair, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir votre journal, tomber sur quelque chose de très clair, il va falloir que j'habille la couverture avec je ne sais pas quoi dans les décos et qu'on arrive sur quelque chose qui va faire clair. Le papier de fond de la, qui va nous servir de papier de base de la couverture, le cardstock de base, je vais essayer de trouver soit un jaune très très pâle, puisque c'est la couleur la plus fondue et c'est la couleur qu'on va retrouver ici. Je vais essayer de passer sur un jaune très très pâle. Je ne suis pas garantie d'y arriver, ou alors passer sur un craft très clair. Pour le moment, j'en suis là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.